L'intérêt de ce qu'on va faire ici, c'est que ça va aider aussi à mieux restaurer le patrimoine existant, le patrimoine ancien. Et donc, si on utilise vraiment les mêmes techniques qu'au Moyen-Âge, eh bien pour une église, pour un château, pour n'importe quoi, bah, ça va être une bonne solution pour sa restauration et sa conservation. On a du mal à s'imaginer qu'au Moyen-Âge, ça pouvait se faire comme ça. On comprend maintenant le temps passé à construire un château, tout simplement. C'est extraordinaire de voir ces hommes à l'époque qui, à la force de leur bras et de leur sueur, ont pu construire de telles choses. Et en 10 ans de temps, c'est extraordinaire. L'évolution est extraordinaire.